En fait, j'ai participé à un atelier lors de l'événement Créer Demain qui représentait l'EFC. J'ai tout de suite fait le lien avec mon activité. Donc du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut y aller parce qu'on n'arrête pas de me poser la question du modèle économique de ce que je développe, mais je le trouve jamais. Et là, ça peut apporter des réponses à mes questions. À ce stade, ce que ça m'apporte, ce sont des repères dans le prisme de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération pour mettre en application. Et c'est aussi le partage avec les autres dirigeants dans ce qu'ils font et dans leur cas concret qui m'inspire dans ce que je peux faire aussi. Donc concrètement, c'est comment est-ce que je peux co-construire quelque chose avec un de mes clients. Et on est en train justement de réfléchir au partage de la valeur parce que lui, il a bien capté la valeur qu'on propose. Et du coup, ben, il peut être l'essai justement de la mise en application de ce partage de la valeur. Évoluer dans un groupe de pairs, c'est intéressant dans le sens où ce que je fais, je suis un peu toute seule à le faire. Et du coup, je me remets toujours en question, je doute. Et là, du coup, d'être dans un groupe de pairs, ça rassure. Et ça montre aussi qu'on est quand même dans une démarche qui a du sens et qui va nous permettre d'arriver vers quelque chose. On ne sait pas quoi encore, mais ça va nous aider.